Mboka Bill Mayombo, bonjour. Bonjour mon frère. Merci beaucoup na Mboka Bill Mayombo, zali moko ya ba politique ou République démocratique du Congo pe moko ya ba pilier majeur ya parti cher IDPS ya Mboka Pierre toi tu sais qu'il dit avant d'accord en actualité ya parti ozo ko préoccuper ba Mboka Bélé, bon bon la situation en République démocratique du Congo. Dans la situation en République démocratique du Congo, ezo kende bien. Ezo kende bien lokola ezo kambama na mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo bandu nyonso batieli motema batieli espoir, c'est-à-dire ça va bien, mais okende malamu mingi soko tobongisi pe mibeko likunzi oyo babengi constitution soko to revoir ango, puisque il y a plusieurs articles qui fâchent. Donc il y a une nécessité de réviser cette constitution là. Mais c'est très alors très vite a besoin Bill Mayombo, parce que c'est le moment de le faire ça. Donc ezakana moment na momate. Donc c'est ça le moment. Donc il y a toujours le moment. Donc les gens qui avaient conçu ça, ils ont révisé ça, voire peut-être à deux fois. Bon, donc révision dans son article 218, ça prévoit la révision constitutionnelle. Il y a des articles qui fâchent. Merci beaucoup. Tu as écouté nous dessiner moi Sima. Tu peux nous occuper de Mboka Bélé concernant IDPS. Quand on vous voit comme ça, on voit directement l'IDPS. Comment va la partie? Il dépense, c'est mon Mboka Pierre Toi Tshisekedi Tshilombo. Non, non, parti dépense, les autres tambours en gros, très bien. Mais seulement, il y a des opportunistes, des aigris, qui ont créé une frustration. Donc, les gens frustrés, donc, qui ont créé une situation. Tout en étant conscients que ça ne va pas aboutir, ils ont fait seulement du bruit pour se faire entendre. Peut-être que non, si le chef de l'État peut entendre. Et peut-être revoir leur cas, ainsi de suite. Donc maintenant, ils se sont acharnés à Augustin Kabuya Mwanabute, qui est le secrétaire général et le président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Injustement. Mais apparemment, on peut peler qui m'a cassé Mwanabute pour Augustin Kabuya. Quand les gens ont besoin de murmurer, naïe, et j'ai reparti mal, pourquoi pas les laisser? Ben, nous sommes ça la paix, Mwanabute. Non, quand vous parlez qu'ils gèrent mal, sur quel point? Le gère mal. Puisqu'ils ne disent pas la vérité. Puisque les problèmes qui a créé tous ces problèmes ici, c'est la gestion des ambitions. Dans cette gestion des ambitions, ce n'est pas lui le dernier décideur. Il a créé une commission dont moi-même je faisais partie. Nous avons travaillé dans la commission. Et la plupart des fondeurs là-bas, ce sont des gens qui n'ont pas aidé à la commission de bien évoluer. Puisqu'ils voulaient être nommés à tout prix, à chaque poste, ils mettaient leur nom. Poste de ministre, leur nom. Conseil principal du chef de l'État, leur nom. Mandataire, leur nom. Comment est-ce qu'on va placer les noms d'autres personnes? Ce débat-là, ça s'est passé dans des commissions et j'étais même fâché jusqu'à faire même parfois des audios. Donc c'est pour vous dire que le plus grand problème, les gens se précipitent pour avoir les gâteaux. Mais quand on lit dans une formation politique, on lutte pas pour soi-même, on lutte pour toute une nation. Nous, quand on luttait, je savais que non, ça va faire un peu plus longtemps et que nous luttons pour la jeunesse. Quand on dit nous luttons pour la jeunesse, ces gens-là n'ont pas des enfants. Pour améliorer ce pays ici, pour que les enfants-là puissent vivre une bonne vie en République démocratique du Congo, il faut que ça masse de l'argent. Alors, si nous perdons le pouvoir, nous resterons comment, ainsi de suite. Moi, je pense que ça, c'est vraiment enfantin. Puisque la politique a deux volets. Il y a ce qu'on appelle les sciences politiques. Les gens font les sciences politiques. Il y a ce qu'on appelle art politique. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours défini la politique comme art par excellence, basé sur la vérité, la transparence, bref, la bonne gouvernance. C'est ça l'essence même de la démocratie. C'est ça le vrai sens même de la politique. Mais les autres ici, c'était pour leur ventre, ainsi de suite. Et nous avons vu aussi un groupe de jeunes croyants qui sont venus pour nous accompagner, qui étaient dans d'autres formations politiques, ils se sont dirigés là-bas. Quand eux appellent les usurpateurs, ce sont eux les usurpateurs. Parce que quand nous étions dans l'opposition, les vrais parlementaires debout, ce sont des parlementaires debout, ici de l'opposition. Tout celui qui est venu après avoir eu le pouvoir, il ne peut même pas se proclamer parlementaire debout qui a lutté pour ce combat.
Maintenant, toi, tu viens, et au lieu de venir accompagner les actions du chef de l'État, tu viens encore détruire ce que nous, on a déjà. Là, construit. Vous faites allusion quoi? Ah, j'ai fait allusion au Tintin que j'ai vu déclarer là-bas, que non, il y a eu des usurpateurs, ainsi de suite. René Kyasuma n'a rien à dire. Quand nous avons créé les collectifs, et ce sont des innocents. Quand on a commencé le premier collectif, il n'était pas là. Quand nous avons rénové, il n'était pas là. Et d'ailleurs, dans mon bureau ici au Boto, c'est là où on avait planifié donc le problème des collectifs. Et ils ne peuvent pas parler de collectifs, ils doivent parler d'autres choses, pas de collectifs. Mais ce sont des innocents. Non, le problème qui est là, nous avons commis une erreur de les prendre tous, qu'on marche ensemble. Donc, René Kyasuma et les autres là, ils peuvent nous dire là où ils ont créé leur parlement de vous. Moi, Bill, je suis le cofondateur de l'ACP. C'est moi, le créateur du Parlement debout, hôtel de ville. Et d'ailleurs, dans les jours qui suivent, tous ces petits-là, je vais les faire partir. Puisque c'est moi, le créateur. J'ai les témoins, les autres sont témoins. Même les mamans qui vendent là-bas. Même les gens qui sont aux alentours de l'hôtel de ville connaissent bien que qui était des piliers de ce Parlement debout. Ce n'est pas toi, tu étais peut-être de l'essider. Tu viens, tu as perdu ton emploi. Mais tu pèses, président Bill. Pourquoi aller toujours discriminer les gens comme ça? Non! Le problème qui est là, et pas la biseau balobaka, kotoka et le kakosokolate. Ceux qui ont monté aux autres toka, ou les qui montent aux autres sokola, ça devient dangereux. Et puis, ils ne savent même pas analyser. Ils ne savent même pas l'idéologie des parlements debout. Quand les parlements debout se sont créés, c'était des endroits, des échanges d'informations et d'analyses. Ce n'était pas comme des églises, tu viens, alléluia, amen, fatibé. Tu racontes même des histoires et on t'utilise même par les ennemis du pouvoir et tu commences à vilipender les dirigeants de votre cher parti. Ce n'est pas ça l'objectif. Cette fois-ci, nous allons réglementer. Bien sûr, avec l'appui des institutions légalement établies, réglementer cette histoire-là. Sinon, il y a des dérapages terribles. Il y aura un règlement d'ordre intérieur. Nous allons être structurés, qu'une personne ne puisse pas s'hasarder de prendre le drapeau de l'UDPS, il va le faire flotter pour se dire que non, moi je deviens président parlementaire de vous. Je deviens de l'UDPS. L'informel ne veut pas dire être contrôlé. Donc, normalement, dans le principe de l'informel, c'est puisque beaucoup des actions provenaient des parlementaires de vous. Pour que ça ne puisse pas incomber au parti pendant l'opposition, c'est à ce moment-là que le docteur Étienne Tshisekedi avait songé de déclarer que c'est une structure informelle. Les Congolais ayant compris l'essence du combat. C'est-à-dire, même si nous faisons des actions, il a dit non, ce sont des Congolais, ça n'engage pas l'UDPS puisque cette structure n'est pas dans les statuts. C'était ça. Donc les autres n'ont pas compris. Et maintenant que nous sommes au pouvoir, nous devons structurer. Et nous allons demander à ceux qui dirigent le parti pour que le Parlement debout devienne une structure de mobilisation et de sensibilisation. Et qu'on puisse avoir un secrétaire national chargé de mobilisation ici des parlementaires debout. Pour que nous puissions assumer ce travail-là de sensibilisation et de mobilisation donc de la population vers en soutien du pouvoir. Mais les bêtises, les qui trouvent aussi du Parlement debout. Non, les bêtises, puis ce sont des gens qui ne connaissent ni les statuts. Les autres n'ont jamais même lu les statuts, ni les règlements d'ordre intérieur. C'est la raison pour oui, la majorité. Certaines. La majorité de ces petits-là. La majorité de ces petits-là, ils ne connaissent même pas les statuts. Les petits là qui ont fait une déclaration, ils ne connaissent ni les statuts, ni les règlements donc, de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tu viens dans une affaire, tu te dis que non, je suis de l'UDPS, tu ne connais même pas la réglementation, les textes qui réglementent votre structure. Tu commences à crier, UDPS viva, Fatibé, ou Kantombolobé, tu trouves que non, tu deviens quelqu'un de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Non,
C'est ça l'erreur. Maintenant, nous allons instaurer, en collaboration bien sûr avec l'école du parti, une formation idéologique. Si tu ne suis pas cette formation-là, tu ne vas pas te tenir avec un petit drapeau dans un coin si tu commences à te dire « moi je suis président ». Et ils disent même que nous avons la base. Donc ici en ville, il n'y a pas de base. C'est nous les animateurs de ce centre-ville ici. Moi je suis entré dans ce centre-ville ici depuis 1988. Depuis 1988 que je suis en ville tous les jours. En ville, il n'y a pas de base. Ce sont des gens qui viennent pour acheter des histoires, comme tu as mis les micros où vous vous rassemblez là-bas. Ils viennent d'abord pour écouter. Qu'est-ce qu'ils disent? Après ça, ils vont s'occuper à acheter les histoires, ils vont aller dans les magasins vendre, ainsi de suite. Si nous mettons un bus là-bas, qu'on nous mette un bus de 70 personnes qui entrent, est-ce qu'il y aura 70 personnes qui vont entrer dans le bus? L'autre fois, il y a eu cette discussion-là. J'ai envoyé deux bus à Miyake. Le point de Miyake, là, tu voyais la foule qui était là-bas. On met des bus. Mais Miyake s'est retrouvé à trois personnes dans les bus. Donc l'autre bus vide, dans un bus, trois personnes. C'est pour vous dire que ce n'est pas une base. Ce sont des Congolais qui veulent écouter ce qui se passe. Et maintenant, on commence à les monnayer. Avec un 50 dollars, un 100 dollars, tu commences à dire de n'importe quoi. Merci beaucoup, président Bill Mayombo. De Obizimou avait rencontré chef de l'État, enfin. Chef de l'État, c'est l'orientation et vous pouvez mobiliser parti, parce que vous préparez l'élection. Non, non, Bizibou doit être correct avec lui-même. Pardon? Il doit être correct et sincère. Bizibou, secrétaire oui. Général Bizibou. Non, quel secrétaire général adjoint de Bizibou doit être sincère avec lui-même. Puisque, comment est-ce que toi tu sais que la CDP, le CDP là qui a fait que je suis au regret, c'est comme s'il ne savait même pas. Cet organe délibérant. Cet organe délibérant, donc, se constitue après chaque élection, puisque cet organe est composé de l'exécutif, président de la Ligue des jeunes, président de la Ligue des femmes, parité hommes et femmes, tous les fédéraux, tous les mandataires, tous les sénateurs et députés, et 5 personnes par province. Et tout, donc, c'est-à-dire, quand vous englobez ça actuellement, donc, la CDP doit avoir au moins plus de 600 membres. Mais maintenant, avec un rapporteur, vous réunissez, vous dites que non, CDP a décidé. Où est le président du CDP? Puisque ce CDP-là avait un président. Est-ce que le président avait siégé? Quelque chose d'illégal, vraiment. C'est une honte pour notre cher parti. Honte pour la donc pour le président de la République, honte pour les gens qui nous suivent. C'est vraiment regrettable. Mais, président Bill Mayombo, quand vous dites que c'est des peines alliées, l'habilité actuellement, le chef d'État recevra qui bango, notamment dans mon amour, quand tu portes Chilumbu, ou bien un double brossage avec Iwana. Mais c'est bon, tout de suite, ça va se concrétiser parti, mon amour. Non, non, ils étaient reçus. On les a donné des instructions précises de rentrer dans les partis. Que votre CDP là n'avait pas qualité de démettre. Selon le chef de l'État. Ce que je te dis là, il y a des gens, donc quand on les a reçus avec eux. Avec les gens de la commission de facilitation. Cette commission qui a été mise en place pour les règles différentes. Ils étaient là. Ils étaient là. Quand tu regardes même les photos, tu ne vois pas que c'était des hommes très abattus. Et ici, pour lui-même, il a été chargé de communiquer. Pas le chef de l'État, de communiquer. Oh. Ce qu'on lui a dit. D'abord, avant de le recevoir, il a reçu d'abord cette commission-là. Il a dit, si vous avez peur de dire à Bizibou et à Eteni, allez, vous les appelez moi-même, je vais les parler en face. En face. Et il les a parlé. Et il a parlé, il a rejeté la CDP de d'Akwati, qui était un porte-parole. Tu peux me dire 20 membres de CDP qui étaient dans cette réunion-là. Une réunion de quelques 3 membres de CDP avec les parlementaires debout et les combattants ramassés par-ci, par-là. Tu dis que non, la Convention démocratique s'est réunie. C'est une honte. C'est comme si ils ont insulté même les IDPS. Merci beaucoup, Président Bill Mayombo. Pour que vous compreniez de l'IDPS, le message n'était que de l'IDPS et de l'IDPS et de les parlementaires de vous. Le message n'est plus commencé dans la Bayombo, votre partenaire en ce moment.
Non, non, nous appelons tout le monde à l'unisson, pour accompagner le président de la République, pour que l'IDPS puisse conserver son pouvoir et qu'on ne fait pas la politique nécessairement pour avoir le pouvoir. Chacun de nous, partout où il est, il peut contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avancement de notre pouvoir. Ce n'est pas seulement en ayant des emplois. Quand vous trouvez même les gens qui réclamaient des cartes du parti, ce sont des gens qui sont venus d'autres formations politiques qui voulaient à tout prix avoir ces cartes-là pour qu'ils commencent à brandir que voilà, j'ai la carte, je suis de l'IDPS. Mais les cartes de Chabani se sont vendues même à 100 dollars pour qu'ils brandissent. Or, l'IDPS, c'est un état d'âme, un état d'esprit. Est-ce que moi, Bill, j'ai besoin d'une carte pour qu'on m'identifie comme un combattant de l'IDPS? Je n'en ai pas besoin. Mais moi, j'ai plusieurs cartes. J'ai la carte de carte signature. J'ai la carte de Chabani. J'ai la carte biométrique. Est-ce que vous me verrez en train de réclamer ça? Celui qui veut se faire réellement membre de l'UDPS, c'est quelqu'un qui doit nous présenter ses récits de cotisation. Oui, à cotiser, quand on a cellule naïe, quand on a récit naïe, vérifiable. Voilà un combattant de l'UDPS. Ce n'est pas quelqu'un qui brandit la carte. C'est comme tu dis qu'on a fanatique à vite, on a supporté sa vite. Mais on a vite un cas au tchakate, au tchakamaké. Or, le parti doit fonctionner avec les contributions de ses membres. Avec les contributions de ses membres. Quand vous allez vous demander le numéro du compte de l'IDPS, vous allez contribuer là-bas. Vous avez votre extrait bancaire que vous contribuez dans l'IDPS. Quand vous me présentez ça, ça fait foi plus que celui qui a une carte de membre. Là, le message que vous avez lancé, hein? Oui, c'est le message. C'est aussi la mobilisation pour dire que ceux qui s'autoprogramment membres de l'IDPS doivent contribuer. Ce que vous avez dit, on a contribué, c'est ce qu'il fait. Puisque tant que vous avez Kabuya gère mal, est-ce que Yogi Balobi a détourné mon? C'est puisque le compte de l'IDPS est un compte jusque-là bloqué. Bloqué. Il n'a jamais touché un seul euro, donc de la caisse de l'IDPS. La caisse est là. Quand vous voulez récupérer l'IDPS et vous ne contribuez pas dans cette caisse-là, alors tu es quel combattant? Et puis, je te dis ceci. Jusqu'à ce que Jésus viendra, Bizibou ne deviendra jamais secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il n'en a même pas qualité, il ne sait même pas communiquer. Tu vois, toutes ces sorties sont des sorties ratées. Donc, il y a courage, il y a interprète, il y a peut-être un Swahili, il y a un Baba. Va interpréter na lingala. Mais ce que moi, gaga, moi, quand il y a l'ibosso na lingala, déjà, assis à petit à côté. Attends, bien sûr, pas quoi, couille, yo, tu sors le balo, quoi, la yété. Merci beaucoup, mon ami Mayombo. Je pense, il nous a souka, en somme nationale, il kiki, il m'a cassé, mon ami. Parce que moi, on a 500 députés, bureau, va composer, bien sûr, 514 députés, 13 députés. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, c'est puisque vous êtes ignorant. C'est la raison pour laquelle nous demandons la révision de cette constitution. Les gens de législature passée, bazouaki batunyo soyo bazalaki ba président et assemblée nationale, na ba président et sénat, ba pesi bango avantage qui ata sou aza élite a ozala incorporé na liste ya ba député. Mais député non siégeant. C'est pour cela okuta kuna ba mabunda bazana kati. Ba Obe Minako bazana kati, ba Olivier Kamitatu bazana kati, ainsi de suite. Au moment que babo maka Congo na ba document, au moment où ba président ba banda ko se multiplier, c'est-à-dire le nombre enveloppe de dépenses parfois inutiles, ezo kende na ko vimba. C'est ce qui fait que même tous les premiers ministres bazali na enveloppe papa. Oh, ba nommé ta premier ministre il y a deux jours, bazana na enveloppe na yo gouvernement, donc a eu en charge Libela. Il faut réviser la constitution au total. Au salaire qui est en train de se faire, au salaire qui est en train de se faire, au salaire qui est en train de se faire, au salaire qui est en train de se faire, au salaire qui est en train de se faire, au salaire qui est en train de se faire, au
de bazo kamango balobi bazali bazali 513 na 13 wana zwa kaka ancien président ya parlement na ya sénat bakisa kuna okomona ke 13 wana les a justifié. Merci beaucoup, Sam, parce que la fin, il m'a un message de prononcer pour la soupe. Non, un message, je demande tout le monde à l'unisson. Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui prie. C'est l'unique. Non. Il n'y a pas le plus proche que donc me dépasse moi comme Augustin Kabouya. Ngai muto na zolo bawa. Bantumuzu ba contactanga ba chef coutumier. Oh lokola esali boye to sala boye poto balola boye. Na megara beta li solo wana pa na ye. Donc après ça ngata une minute te. Il m'a demandé de sortir de son bureau. C'est pour te dire que cet homme là biso ba pire bantu akati. Oy balo baka ke bil mayombo de muntoyo ayokela ka mingi. Après ça ngata une minute na vanda na bureau na yete mpolo wana ibisa yo no. Ba chef coutumier balobi to sala boye. Même pas une minute. Il m'a dit que pour devenir ce que je suis devenu, ce ne sont pas des féticheurs et des chefs coutumiers qui m'avaient placé ici. Tout mon parcours, ce n'était pas ces gens-là. Dieu qui m'avait placé ici, s'il trouve que non, ma mission est accomplie, donc il va m'enlever ici et je suis appelé à faire autre chose. Donc, ce jour-là, j'ai compris la grandeur de cet homme et que je respecte beaucoup. Alors, si je te donne ce témoignage-là, sache bien que donc, je pouvais même te citer la personne qui m'avait sollicité pour ça. Mais je ne le cite pas. Mais moi-même, j'ai tenté auprès de lui. J'ai trouvé que non, c'était radical. Or, c'est moi qui ai dans les secrets. Donc, cet homme-là, il n'a rien comme fétiche. C'est Dieu Tout-Puissant. Même moi, je suis là. Je ne suis pas nommé ainsi de suite. Aujourd'hui, on me nomme. Donc, un pasteur va s'aventurer. Non, nous allons prier pour conserver le pouvoir. Non? Pour m'élever, pour que je devienne, tu n'as pas prié, tu veux seulement pour conserver. Ce sont des escrocs. Merci beaucoup, Mille Mayombo. Alors, ceux qui me suivent, je vous donne mon numéro. C'est plus 243 81 515 25 68. Vous le connaissez bien. J'aime tout le monde. J'aime mon parti, Union pour la démocratie et le progrès social. J'aime Fatih Béton et j'aime la République démocratique du Congo. Bye.